tous et à toutes. J'espère qu'on est dans la joie ce matin. Amen. Avant de commencer notre culte de ce matin, j'aimerais inviter le frère Jeannot afin de faire la prière d'ouverture. Papa Jeannot, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si on peut se mettre debout, nous sommes devant le roi des rois. Prions. Ô Éternel Tout-Puissant, toi qui as fait ce jour spécial, nous venons, Éternel Tout-Puissant, implorer ta bonté. Nous venons, Éternel, désormais te louer et t'adorer. Toi qui fais de nous, Éternel Tout-Puissant, tes enfants, que ta grâce soit sur nous, que tes anges du ciel descendent et nous annoncent la nouvelle du salut. Que ton Esprit Saint, ô Dieu Tout-Puissant, nous couvre et que ton sang qui a été versé à la croix de Golgotha puisse nous purifier en ce moment. Que ton peuple si présent, Éternel des armées, plonge les regards dans ta parole pour que nous ne soyons pas aussi des auditeurs oublieux, pour que notre vie soit heureuse. Nous te disons merci, toi qui es Alpha et Oméga, toi le Dieu de l'impossible, Éternel, que ta volonté seule soit faite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Dieu? L'Éternel est bon, n'est-ce pas? Amen. Écoutez ce que la Bible dit dans le psaume chapitre 135, verset 3. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Notre Dieu est favorable, n'est-ce pas? Amen. Ce matin, nous voulons encore louer notre Dieu, car il est bon. Nous voulons louer notre Dieu, car c'est lui qui a renouvelé en nous le souffle de vie. Alors nous voulons lui dire, Éternel, reçois la louange pour ta bonté. Reçois la louange pour ta fidélité. Honneur et louange, puissance à l'agneau. Alléluia, Éternel. Éternel,
je le vois. Éternel, éternel. Puissance à l'agneau.
notre Dieu, lui qui est digne de gloire. Alléluia. T'adorer tous les jours. Chanter tes louanges, Seigneur, tes mélodies, Seigneur, c'est ce que nous voulons faire. Alléluia. Voilà ce que nous voulons faire, Seigneur. Comme disait le psalmiste dans le livre de Psaume chapitre 34, « Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. » C'est ce que nous voulons faire ce matin encore. Alléluia, je bénirai l'Éternel. Alléluia. J'exalterai l'Éternel,
J'exalterai. J'exalterai l'Éternel. Pour tous ses faits. Sa louange sera. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Simplement le Seigneur. Nous voulons continuer encore à lui offrir une offrande d'acclamation car il en est digne, n'est-ce pas? Lui qui nous a fait du bien. Que pouvons-nous lui offrir si ce n'est que notre reconnaissance? Ce matin encore, nous voulons dire, Seigneur, nous sommes là pour t'offrir toute notre reconnaissance car nous reconnaissons que tu nous as fait du bien. Nous reconnaissons que si nous sommes en vie, Seigneur, c'est toi. Si nous avons le mouvement et l'être, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Offrant Seigneur reconnaissance, car son amour durera toujours. Alléluia. Chantons, chantons.
jamais. Oui, par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera oui, jamais. Chantons, 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 chantons-les, chantons, chantons. Il est béni soleil, riche la tombe au chant. Son amour durera jamais. Recevoir notre acclamation. Alléluia. Alléluia. Alors je vais vous inviter à prendre place et je vais inviter les mamans qui vont nous interpréter un chant. Les mamans, s'il vous plaît. Alléluia. Jésus est le roi de gloire, l'unique Dieu, le vrai Dieu. En attendant que les mamans montent, j'élève le nom de Jésus, le seul, le vrai, l'unique Dieu qui bénit, qui guérit. Alléluia. Jésus est le roi de gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons interpréter un chant en swahili qui dit qu'il n'y a que notre Dieu qui est digne de louange et d'adoration. Amen. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu.
Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il est digne de respect, d'adoration et de louange. En Swahili. Amen. Merci Seigneur. Je sais que tout le monde, beaucoup de gens connaissent ce chant. Si vous pouvez chanter avec nous, ça sera gentil de votre part. Amen. Voilà. Alléluia. Kuheshimiwa ni wewe e Mungu wakupewa sifa na utukufu ni wewe e Mungu Mungu mwenye nguvu wastahili heshima zote hakuna wakupewa sifa na utukufu ni wewe.
Encouragez nos mamans. Alléluia. Les choristes, entre-temps, vous pouvez encore monter. Alléluia. 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 Alors, nous sommes arrivés à l'écoute de la parole, au moment de l'écoute de la parole de notre Dieu. Mais avant de passer le micro au pasteur, nous voulons encore préparer nos cœurs pour sa parole. La parole qu'il a préparée pour nous ce matin. Nous voulons encore lui dire merci Seigneur pour ta parole, car c'est la lumière que tu as donnée aux hommes, celle qui nous fait connaître le cœur de Dieu. Alléluia. J'aime
Seigneur. Elle est la vérité. Elle est la vérité. Sur mon sentier, pareil, je veux me laisser guider. Dieu s'avance, si nous pouvons encore acclamer la parole de ce matin. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons nous tenir avec humilité devant toi, reconnaître tes bienfaits dans nos vies, toutes les grâces dont nous sommes l'objet de ta part, et pouvoir te dire merci. Merci, notre Dieu. Merci, Jésus. Nous ne voulons pas être ingrats ou oublieux. Pour toutes ces bonnes choses, tes bienfaits dans nos vies. Ce matin encore, alors que nous sommes là, n'est-ce pas les témoignages de ta bonté à notre égard? Nous avons la vie, nous avons le mouvement, nous avons la santé, nous avons l'être. Nous avons tous nos sens aussi pour écouter ta parole, pour t'écouter nous parler, Seigneur. Nous nous disposons à toi. Nos cœurs, notre intelligence spirituelle, nos oreilles spirituelles, pour t'entendre, Seigneur, entendre la parole de vie, parole de vérité. La parole qui est comme le miroir dans lequel nous nous regardons pour continuer à enlever ce que nous constatons comme reflet qui ne te plaît pas. Bénis cette parole. Bénis ce temps, notre Dieu. Règne en majesté. Règne. Règne en Seigneur. Ta parole est la vérité. Nous te prions au nom de Jésus et nous disons Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire un grand Amen. Nous ne sommes pas encore revenus à notre stade où nous disions « Salut ton frère de gauche, salut ton frère de droite » parce que nous sommes encore en train de nous restreindre à toutes ces précautions, ces gestes barrières, mais Dieu nous a fait grâce. Alléluia! Merci Seigneur, je vous salue tous, chacun de vous, dans le précieux nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia. Chaque matin, avant de venir, je prie et je dis, Seigneur, accorde encore à ton peuple ce matin ta paix. Bénis ton peuple, Seigneur, alors que nous allons nous retrouver dans la communion
fraternel, Seigneur. Je prie Dieu qu'il vous fasse du bien. Amen. Qu'il vous fasse du bien en rencontrant vos attentes, vos souhaits les plus chers. Parce que quand il va vous bénir, en réponse à vos attentes, votre joie sera parfaite. Je prie Dieu, alléluia, qu'il se souvienne de vos œuvres, qu'il se souvienne de vos offrandes, qu'il se souvienne de vos actes de piété et qu'il exauce vos prières. Alléluia. Béni soit le nom de notre Dieu. Ce matin, nous allons revisiter ce texte d'Ésaïe au chapitre 65, ce sujet sur lequel nous nous étions entretenus le dimanche passé. Nous allons commencer par le verset 8e, Ésaïe chapitre 65, le verset 8. Ésaïe 65, le verset 8. Voici ce que la Bible déclare. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut m'aider ce matin? Si vous me voyez dormir, ce ne sera pas à cause de ma faute, mais de votre faute. Alors le thème, je l'ai intitulé « Les jus de la grappe, deux points, double avantage ». Merci beaucoup. Les jus de la grappe, double avantage. Frères et sœurs, je voudrais revenir sur ce passage pour une bien meilleure compréhension de ce que Dieu veut nous transmettre comme message ces derniers temps. On dit la répétition est la mère des sciences. L'apôtre Pierre le dit. Paul ne cesse de vous répéter les mêmes choses car cela vous est salutaire. Il est important pour nous, même lorsqu'on nous prêche sur un même texte plusieurs fois, d'abord de nous dire, Dieu est en train de vouloir imprimer un message dans mon cœur. Je dois rester attentif, même si j'ai entendu, j'ai lu ce passage à plusieurs reprises, même si le pasteur y a prêché dessus à plusieurs reprises. Je me dis d'abord, qu'est-ce que l'Esprit veut dire à mon cœur? Je deviens encore plus attentif. Je me dis, ensuite, il y a une bénédiction au travers de ce que le Seigneur va dire, parce que le Seigneur, notre Dieu, nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous ajoute une compréhension, il nous ajoute une révélation, même par rapport aux choses que nous connaissons déjà. Amen. Comme nous avons dit à propos de ce texte, le dimanche passé, nous sommes au temps où le peuple d'Israël est en déportation à Babylone. Babylone, un empire puissant, mais païen. Les enfants de Dieu sont en exil. Malheureusement, il se trouve que pendant le temps de leur exil à Babylone, beaucoup parmi les enfants d'Israël ont abandonné l'Éternel, leur Dieu. Beaucoup parmi eux avaient oublié le pays de leur père, la terre sainte. Ils avaient oublié la montagne sainte, la montagne de Sion, Jérusalem, la ville sainte. Beaucoup parmi eux se sont mis, bien-aimés, frères et sœurs, à servir les dieux païens, les dieux des Méni, la Bible nous dit. Et ils ont dressé, ils se mirent à dresser une table pour Gad et à remplir une coupe pour Méni, qui étaient des divinités babyloniennes. Certains se sont mis donc tout simplement à imiter les pratiques des Babyloniens qui offraient des sacrifices dans leurs jardins, sur les collines,
des gens qui allaient dans les cimetières, dans les cavernes, certainement pour invoquer les morts, certainement pour faire des incantations. C'était des pratiques païennes. C'est pourquoi Dieu nous défend, même lorsque nous avons perdu quelqu'un qui nous est cher, d'aller parler au cimetière. Nous ne parlons pas aux morts. Va au cimetière, papa, tu es parti, tu nous as abandonnés. De là où tu es, protège-nous. Nous ne parlons pas aux morts. Ce sont des pratiques païennes. Le problème, c'est que lorsque nous nous retrouvons dans des situations, effectivement, nous avons perdu quelqu'un, nous oublions même notre identité comme les enfants d'Israël. On dit c'est la douleur qui m'a pris. On dit c'est ceci, cela. Non! Tu ne t'adresseras point aux morts, déclarent les Écritures. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je dis? Ah oui, nous avons perdu un oncle, une tante il y a des années. On refait les voyages en Afrique, on va aller visiter le cimetière et sur la tombe. Ah, tante, tu nous as laissé, tante. Nous ne parlons pas aux morts. Quand vous faites cela, vous êtes en abomination devant Dieu. Parce que vous êtes en train de parler aux esprits impurs. C'est, vous savez, quand nous envoyons les démons, les puissances des ténèbres après les avoir chassés, nous les expulsons dans les lieux arides, dans les cimetières, etc. Quand vous allez au cimetière, mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour aller parler aux esprits. Et les enfants d'Israël se sont mis à imiter les Babyloniens qui allaient dans les cimetières, dans les cavernes, faire des enchantements, des incantations. Ils parlaient aux morts, ils mangeaient des aliments impurs et ils gardaient chez eux des vases aussi impurs comme les Babyloniens. Voilà ce que les enfants d'Israël s'étaient mis à faire pendant le temps de leur exil à Babylone. En clair, le peuple de Dieu avait oublié ce que Dieu leur avait dit à plusieurs reprises depuis le temps où il les avait fait sortir du pays d'Égypte. Quand nous lisons dans les livres d'Exode, au chapitre 23, écoutez ce que Dieu disait à son peuple après l'avoir fait sortir du pays d'Égypte. Exode, chapitre 23, versets 23 à 26. Il dit, « Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Éthiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statue. Voici, vous servirez l'Éternel votre Dieu, même parmi ces peuples-là. » Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » ? Vous servirez l'Éternel votre Dieu, même parmi les Éviens, les Phérésiens, les Jébusiens, les Éthiens, les Cananéens, les Amoréens. Vous les servirez et en retour, il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Dites Amen. Voilà ce que Dieu leur avait dit. Où que vous alliez, parmi les nations païennes, je vous fais sortir d'Égypte. Où que vous vous retrouviez, que ce soit parmi les Cananéens, comme nous venons de le dire, ou les Éthiens, vous n'allez pas imiter leurs pratiques. Vous n'allez pas commencer à vous conduire comme eux. Tout ce que je vous demande de faire, même dans ces lieux-là, c'est-à-dire même en déportation à Babylone, vous n'allez pas servir les dieux des Méni et les dieux des Gad. Vous allez servir et servir rien que l'Éternel, votre Dieu. Et quand vous agirez ainsi, l'Éternel bénira votre pain. L'Éternel bénira l'eau que vous boirez. L'Éternel éloignera de vous la maladie. Et l'Éternel vous bénira. Même la femme stérile enfantera. Voilà qu'ils ont oublié tout ça. Là, ils sont en exil à Babylone. Ils servent les dieux des Babyloniens. Frères et sœurs, ils sont là en train de faire ce que Dieu, justement, leur avait empêché. Imiter les païens.
se prosterner devant leur Dieu, servir leur Dieu. Il dit, servez simplement les dieux d'Israël. Alléluia. Alléluia. Peut-être les enfants d'Israël se sont-ils mis à servir les dieux des Babyloniens en se disant, si nous sommes ici, c'est peut-être parce que leur Dieu a été plus fort. Vous savez, il y a des gens qui se tournent vers les sciences mystiques, vers les fétiches et toutes ces choses-là, parce qu'ils disent, j'aurai la bénédiction. Mais la Bible dit, le diable ne bénira jamais de la bénédiction qui ne sera pas accompagnée de chagrin. Même si le diable, entre guillemets, vous bénit, entre guillemets, utilisons ce mot, cette bénédiction n'en est pas une, parce qu'elle sera toujours accompagnée de chagrin, des problèmes. Il vous demandera en retour quelque chose. Quelqu'un disait, ah oui, c'est un sorcier, un féticheur qui peut facilement vous guérir de telle ou telle maladie. Il peut vous guérir, vous avez mal, il guérit, il cache les mal ailleurs, ou c'est quelque chose d'autre qui s'est manifesté dans votre vie, dans votre corps. Vous repartirez chez lui et il fera la même chose et il vous soumettra davantage à la servitude parce que le diable ne peut pas bénir comme notre Dieu qui bénit et qui bénit de la bénédiction qui n'est accompagnée d'aucun chagrin. Il dit, ne le servez pas. À Babylone, les enfants d'Israël ont fait exactement ce qu'il est écrit dans 2 Rois au chapitre 17. Je vais encore le lire à partir du verset 15. La Bible dit, ils rejetèrent les lois de leur Dieu, l'alliance qu'il avait faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après les choses des néants et ne furent eux-mêmes que néants. Et eux, ils allèrent après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se firent des veaux enfantes. Ils se fabriquaient des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Alléluia. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Vous savez, ce sont des pratiques démoniaques. Quelque chose, on a perdu quelque chose à la maison. On demande à tous les enfants qui a pris. Tout le monde dit, pas moi, pas moi, pas moi. On dit, bon, on peut mettre même un balai. On dit, sautez. Ça, c'est faire passer son fils ou sa fille par le feu. Parfois le feu, sautez. Ce sont des pratiques païennes. Auquel nous, là, nous sommes tellement habitués que même en étant enfants de Dieu aujourd'hui, nous continuons à faire ces choses-là. Un enfant qui est né, c'est un mâle, on doit le laver avec l'os de je ne sais quel singe ou gorille, en faisant des incantations, Mobal Bandumba, tu seras le mari de plusieurs. Mais ce sont des pratiques païennes, bien-aimés frères et sœurs. Ce n'est pas pour rien que nous sommes devenus enfants de Dieu. La vaine manière de vivre héritée de nos pères, de nos traditions, de nos coutumes qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu doivent être proscrites. Il faut s'en détourner. Alors il dit, ces gens, ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination. Quand tu lis les jeux de cartes, la cartomancie, tu vas voir quelqu'un qui va lire dans le marc du café. C'est des choses qui sont en abomination devant Dieu. Il faut que je sache. Tous ces malheurs qui nous arrivent, ça vient de qui? On va chez un sorcier. On prie Dieu. Il faut que je sache. Et vous savez, ces gens-là, ils travaillent avec le diable. Parfois, quand vous entrez chez un féticheur, tu ne l'as jamais vu. Hein? Il ne t'a jamais vu. Et puis, il t'appelle par ton nom. Il dit, Robert, il connaît même mon nom. Il peut citer le nom de tes parents. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire, c'est simple. C'est quelque chose de très simple. Quand vous passez dans la maison d'un féticheur, il capte tout ce que vous savez.
dans leur science mystique, ils peuvent capter ce que toi, tu sais. Mais tu connais ton nom. N'est-ce pas que tu connais ton nom? Donc, ils captent ici ton nom, mais non parce que toi, tu connais ton nom. Tu connais le nom de tes parents, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pas compliqué pour lui maintenant de les connaître. Et quand il va t'impressionner avec deux, trois choses qui sont vraies, quand il va te dire, c'est ton pasteur qui t'a fait ça, j'ai quitté l'arche, c'est fini. Il a joué avec ton esprit. Et vous allez voir, il va vous mettre en opposition avec certains membres de la famille. Est-ce que notre Dieu, il est le Dieu des conflits? Je ne le crois pas. Alléluia! Alléluia! Il n'est pas le Dieu. C'est pour cela également, mes frères et sœurs, que lorsque un homme de Dieu vrai fait la délivrance, il ne peut pas partager tous les secrets de la délivrance avec la personne. Aujourd'hui, on doit filmer. Le monde entier est au courant que la sœur Lucie, la personne qui lui fait du mal, c'est un tel proche de sa famille. Frères et sœurs, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. On va chez des prétendus prophètes. Ils te regardent. Donne-moi les mains. Donne-moi les mains. Et tu commences déjà à trembler. Il te dit, c'est Élisabeth. Ah, Élisabeth. Tu connais Élisabeth, non? Mais pourquoi veux-tu qu'ils ne la connaissent pas? Ce sont des pratiques défendues dans la parole de Dieu. Alors il dit, ils firent passer par le feu leur fils et leur fille. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Voilà ce que les enfants d'Israël se sont mis à faire pendant le temps de leur exil à Babylone. Il est difficile de savoir pourquoi le peuple de Dieu agissait ainsi en imitant les pratiques des Babyloniens, peut-être à cause des souffrances qu'ils traversaient, peut-être à cause de l'impression qu'ils avaient que Dieu les avait abandonnés. Peut-être fallait-il faire bonne impression comme les Babyloniens, être dans une forme d'intégration. Vous savez, l'intégration, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas toujours une bonne chose. Nous allons nous intégrer aux valeurs qui sont en accord avec la parole de Dieu. Quand on parle d'intégration aujourd'hui, on ne voit que parler les néerlandais. Il n'y a pas que ça. Et là, quand le mot intégration va beaucoup plus loin. Nous avons, nous Africains également, des valeurs qui sont bibliques et contre lesquelles nous n'allons pas nous vendre. Nous avons le sens de la famille, n'est-ce pas? Quelqu'un peut débarquer chez toi tout à l'heure. Il n'a même pas été au programme. Il te trouve en train de manger, tu manges. Chez certains, ici en Occident, tu t'assois dans un coin, tu sens l'odeur de la viande, il mange parce que tu n'as pas été programmé. Vrai ou faux? J'avais été invité par des amis. Et la femme devait faire la cuisine. C'était une grande amie à moi d'ailleurs. Et elle vient et me dit, Robert, on va faire des pommes de terre. J'ai dit, ok. Il me dit, tu vas manger combien? Alléluia. J'avais été très attentif ce jour-là. Elle avait d'abord demandé à son fils, à son mari, et moi aussi. Et j'ai entendu deux, j'ai entendu trois. Et mon ventre me disait, toi donne deux ou trois pommes. Mais l'intégration me disait, ne va pas trop loin. Et là, j'ai dit, deux aussi. Non, ça c'est pour les choristes. Alléluia! Alléluia! Vous savez que chez nous, demander à quelqu'un combien de pommes de terre il va manger, c'est un vrai problème. Il mange comme il voudra manger. Je parle à quelqu'un. Est-ce que ces choses sont mauvaises? Alors vous allez voir que certaines personnes aujourd'hui, quand ils parlent de l'intégration, ils veulent devenir plus blancs que les blancs. Il y a des valeurs que nous devons garder. Dites un bon amen.
où que nous nous trouvions, mais par-dessus nos valeurs, il y a les valeurs qui sont en accord avec la parole de Dieu. Les enfants d'Israël ont abandonné Dieu. Avaient-ils l'impression que Dieu les avait abandonnés? Voulaient-ils faire bonne impression auprès des Babyloniens en parlant d'intégration? Frères et sœurs, je voudrais nous dire une chose. La plupart du temps, quand les malheurs nous arrivent, quand les problèmes nous arrivent, les difficultés nous arrivent, nous avons toujours tendance à pointer Dieu du doigt. Nous ne savons pas toujours nous regarder à nous-mêmes et pleurer sur nos péchés pour demander pardon à Dieu. Parce que bien souvent, c'est lorsque nous avons violé les lois de Dieu que parfois, le châtiment, la bénédiction de Dieu nous tombe dessus. Ils ont commencé, frères et sœurs, à faire toutes ces choses-là. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu n'abandonne jamais, jamais son peuple. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même quand tu as été au plus bas, Dieu ne t'abandonnera jamais. Écoutez ce que les enfants d'Israël disaient d'ailleurs au temps d'Isaïe, toujours là en déportation. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, et Dieu dédie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, j'étais gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il dit, j'étais gravé sur mes mains. J'ai comme l'impression que lorsque on ajoute des noms dans le livre de vie, il y a également le même nom qui est gravé sur la main de Dieu. Et quand Dieu regarde de ses mains, il voit ton nom. Comment veux-tu qu'il t'oublie? Comment veux-tu qu'il t'oublie? Vous savez, les mains, sont ces membres que nous utilisons la plupart du temps. Ils sont là. Le nom de ceux qui appartiennent à Dieu, inscrit, gravé sur leurs mains. Sur leurs mains, Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est nous qui tournons le dos à Dieu. C'est nous qui allons après des choses, des néants, et qui devenons nous-mêmes des néants. Mais jamais Dieu n'abandonnera ses enfants. Jamais Dieu n'abandonnera son peuple. Alléluia. C'est nous qui oublions Dieu, soit par rébellion, soit par désobéissance, soit par incrédulité, soit par méconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous. Comment puis-je oublier Dieu quand je regarde ma vie et je me dis, c'est Dieu-là qui a fait telle ou telle ou telle chose, que je lui tourne les dos parce que je passe par un moment de souffrance? Jamais! Que je l'oublie parce que je passe par des épreuves? Jamais! C'est pour cela que Paul pouvait dire, qui me séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la faim? Jamais. La nudité? Jamais. Les périls? Jamais. L'épée? Jamais. Les souffrances? Jamais. Pourquoi? Parce qu'il dit, je sais que dans toutes ces choses, il me donnera la victoire. Il me demande simplement de lui rester fidèle. Il me demande simplement de persévérer, à le chercher, à l'invoquer, même dans la souffrance. Mais quand j'ai l'impression qu'il ne m'entend pas, qu'il ne me répond pas, jamais il ne peut m'oublier parce que mon nom est gravé sur ses mains. On oublie. On abandonne Dieu soit par impatience. On a prié, on a demandé une bénédiction à Dieu et elle ne vient pas. Et ça fait un an, 5 ans, 10 ans, 15 ans et on se dit non, moi je vais aller vers les divinités païennes. Attends, tu peux y aller, mais tu ne peux pas toujours t'imaginer les répercussions des conséquences de cet acte dans la vie des enfants et des enfants jusqu'à la 3e ou à la 4e génération. Chez nous, en Afrique, on appelle Banakis, les enfants de la sorcellerie. On a été les chercher chez un féticheur. Vous les regardez, il y a des gens, tu les regardes, tu dis, ça c'est moi, Nakis. Il y a quelque chose de bizarre. Excusez-moi.
Je suis désolé, mais c'est vrai. C'est la vérité, bien-aimés frères et sœurs. La vraie bénédiction, quand j'ai dit ça, c'est pour nous dire, n'allons jamais, ne nous tournons jamais, n'imitons jamais les pratiques des païens pour chercher quelques bénédictions que ce soit, parce qu'il n'y a que la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et donc, quelle que soit la raison, tourner le dos à Dieu, l'abandonner, ou aller après d'autres divinités, ne peut qu'irriter Dieu, ne peut qu'entraîner la colère de Dieu. Et je me dis que c'est facile, vous allez dire, pasteur avec moi, c'est facile de critiquer les enfants d'Israël quand ils étaient à Babylone. Mais nous-mêmes, ce matin, nous-mêmes, est-ce que nous nous sommes déjà posé la question de savoir si nous n'agissons pas de même aussi, si nous n'abandonnons pas Dieu lorsque nous sommes en terre étrangère, si nous ne lui tournons pas le dos lorsque nous vivons des moments difficiles. Les enfants d'Israël ont commencé à imiter les pratiques des Babyloniens. Est-ce que nous, aujourd'hui, ne sommes-nous pas aussi en train d'imiter les pratiques, les coutumes, les habitudes des païens, païennes? Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un, j'ai assisté à cela, une famille dans laquelle le papa est décédé, et il y a un oncle qui est sorti comme le chef de la famille, se faisait-il dire, qui a fait ses jambes, il les a écartées, il dit, chaque enfant doit passer par ici. Pour être béni, pour être protégé. Et tout le monde venait. Et là, il avait la protection. Tout le monde venait. J'étais en train de regarder une sœur qui priait avec nous. Alléluia. Et cette sœur-là, c'était ma fiancée. J'étais en train de la regarder là où elle était, si elle va bouger. Rien, elle ne bouge pas. Les gens sont allés lui dire, mais elle dit, je ne peux pas faire ça. Il n'est pas Dieu. La bénédiction vient de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Combien parmi nous, lorsque nous nous retrouvons là dans nos pays d'Afrique, des pratiques païennes que nous sommes en train de faire? J'étais en train de parler hier avec un pasteur qui m'a dit, « Ah, pasteur, j'ai remarqué dans mon église, certaines personnes qui sont rentrées d'Afrique sont devenues bizarres. » Je lui ai dit, va prier pour eux avec imposition des mains, frère. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait là-bas au pays. Heureusement, à l'Arche, tout le monde, personne n'est dans cette situation. Heureusement, ici, il n'y a personne dans cette situation. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tout en étant enfant de Dieu, nous sommes influencés par le monde. Nous recourons. Nous, est-ce que nous ne recourons pas à d'autres dieux, à des fétiches par exemple, à des amulettes? Il y a des gens, il est chrétien, tu le vois à l'église. Il ne va jamais à la piscine. Parce que s'il va à la piscine, vous allez voir des cadenas ici. Hein? Des ficelles de toutes sortes. On a des protections, on a bloqué. Tout en étant enfant de Dieu. Il a son gris-gris. Il est en train d'imiter. Comment peut-on mélanger la lumière et les ténèbres? Si Dieu assure la véritable protection, je n'ai pas besoin de ces choses-là. Mais laissez-moi nous dire que si le diable te donne ces choses-là, c'est une fausse vraie protection. Celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant, c'est celui-là qui est sous la véritable protection. Parce que ce soit de jour, que ce soit de nuit, celui qui le garde ne dort ni ne sommeille. Celui qui le garde fera toujours le bouclier. Celui qui le garde éloignera de lui la flèche qui vole en plein midi. Éloignera de lui tous les traits enflammés du malin. Et c'est pour ça que mon Dieu nous est magnifique. Parce qu'en lui, je peux dormir sur mes deux oreilles. En lui, je peux me dire, je m'abandonne à toi, je me couche, je m'endors. L'Éternel veille sur moi, que 1000 tombent à mon côté, que 10 000 tombent à ma droite. Je sais que l'Éternel me protège. Que l'on ait jeté un sort sur mon chemin. Je sais que l'Éternel passe au devant de moi.
Il neutralisera ce qui m'a été jeté. L'Éternel marchera au-devant de moi. Il clôturera mes marches. Il les fermera. En lui, j'ai toute ma conscience. Pourquoi dois-je imiter les païens dans leurs abominations? Même dans la souffrance, je sais que mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Le soir viennent les pleurs, mais le matin viendra des chants d'allégresse. Je sais que des chants d'allégresse viendront. Ils viendront, les chants d'allégresse et des louanges. Oh, alléluia! Mon frère, ne te moque pas de moi, parce que je suis assis dans les ténèbres. Le soleil de l'Éternel m'éclairera demain. Tu me verras relever la tête. Et lorsque tu viendras me dire, allons voir, imitons cette pratique, je te dirai, non, je suis de la race de Dieu. Je suis de la race royale. J'ai été mis à part. Il n'y a que le Dieu de mon salut qui est le véritable Dieu. Si toi tu vas après les divinités, moi je resterai fidèle à mon Dieu. Peu importe que je mange ou que je ne mange pas, la nudité, le péril ou l'épée. Mais lorsque le temps de Dieu viendra, le niveau d'élévation vers lequel il me conduira, ça t'étonnera parce que tu verras toujours la différence entre ce que tu as eu de la part de tes divinités et la bénédiction qui vient du Dieu vivant. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. N'imitez pas les choses qui se font dans ce monde. Dans une autre version, on dit, ne vous modelez pas. Ne vous modelez pas. Selon les pratiques de ce monde, enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans ta famille. Le chef de famille, le grand frère vient de décéder. Toi, tu es celui qui le suit. Mais tu es là pour faire quoi? Pour protéger la famille. Chez nous aujourd'hui, c'est quoi? Le grand frère chasse l'épouse. Hello? Des enfants dans la rue, il vend tout. Il s'enrichit lui-même. Je vais vous dire une chose. Pareille chose ne peut pas arriver dans ma famille parce que je me leverai. Je me leverai pour vous dire, ça ne se passera pas ainsi. Si quelqu'un croit qu'il lancera la malédiction, il se retournera contre lui-même. Nous devons protéger le droit de l'orphelin, de la veuve et de l'étranger. Dans nos familles, chrétiens, et tu imites, les gens ils viennent et te disent, mais c'est toi le petit frère. Tu écoute-moi bien. Tu n'es pas le non, tu es son petit frère, mais tu n'es pas l'héritier direct. L'héritier, c'est d'abord sa femme, l'héritier, ses enfants. On est dans des choses comme si nous n'étions pas enfants de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous modelez pas. Ne vous coulez pas dans le moule du siècle présent. Et pour s'être modelé sur les pratiques babyloniennes, la Bible dit que Dieu s'est résolu par des vers lui-même. Dieu a dit, loin de moi de me taire. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il dit, loin de moi de me taire, je leur ferai porter leur peine. Oui, je leur ferai porter la peine de leurs crimes. Je leur mesurerai le salaire de leurs actions. C'est ce que Dieu a déclaré. Vous avez été emmenés en captivité, vous oubliez les dieux de vos pères. Regardez l'histoire de votre nation. Quand vous étiez esclaves pendant 400 ans, regardez ma bonté, ma fidélité. Je vous ai tiré de la puissante main de Pharaon. On a eu une histoire, toi, mon peuple et moi. Alors il dit, non. Vos abominations ont atteint leur comble. Je vous ferai porter le châtiment de vos actions. J'aurais pu vous détruire, mais à cause du jus qui se trouve parmi vous, je ne le ferai pas, car il y a là une bénédiction parmi vous. Dites Amen. Dieu dit, se tourne vers Israël, il dit, j'aurais pu vous détruire. Mais à cause du jus
Vous êtes la grappe, la nation d'Israël. Mais à cause du jus de ceux qui sont restés fidèles, qui me sont restés fidèles, à cause de ceux qui n'ont pas fléchi leurs pieds devant les dieux babyloniens, à cause du jus qui est dans la grappe, je ne vais pas vous détruire. Ah, quelqu'un va pousser un ouf de soulagement, mais attention, attends, jusqu'à la fin de ce message, tu vas comprendre pourquoi j'ai dit le jus de la grappe double bénédiction. Et le jus là, ce peuple qui est resté fidèle à Dieu, ce sont ceux-là que Dieu appelle ses serviteurs, ceux qui n'avaient pas agi comme les autres. Il dit par amour pour eux, je ne détruirai pas le peuple dans son ensemble, le peuple rebelle dans son ensemble, parce qu'il y avait le jus de dans la grappe. Il y avait le jus dans la grappe. Vous l'aurez compris, dans ce passage, je l'ai dit, je le redis, la grappe c'était le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, la nation d'Israël. Mais la grappe, écoutez-moi bien, au sens plus large, peut être aussi une église. Alléluia. La grappe au sens le plus large peut être aussi une famille. La grappe au sens le plus large peut être une nation. J'ai parlé à quelqu'un. Ça peut même être la vie d'une personne. Une personne. Une personne. Et le jus, c'est ce qu'on trouve dans la grappe. Ce qu'on peut extraire de la grappe. Ce qui sort de la grappe. Et c'est ça qu'il y a, c'est ce qu'il y a de plus important. Alléluia. C'est pourquoi dans la Bible, il est dit, s'il y a du jus dans la grappe, s'il y a du jus dans ta vie, même quand l'ennemi viendra et dit, je vais détruire, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite, il y a une bénédiction dans cet individu. Dites amen. Ce matin, je voudrais parler de jus à deux niveaux, donc. Au niveau d'un groupe de gens, ça peut être une nation, une église, etc., etc., et au niveau d'un individu. Au niveau d'un individu, vous comprendrez bien, mes frères et sœurs. Alléluia. Quand nous parlons des nations, l'un des exemples le plus concret de notre thème au niveau d'un groupe de gens, c'est l'intercession d'Abraham en faveur de Sodome et de Gomorrhe. Je l'ai dit le dimanche passé. Alléluia. Quand nous lisons le livre de Genèse au chapitre 18, alléluia, la Bible dit que les habitants de Sodome et de Gomorrhe, au milieu desquels le neveu de Lot est allé habiter, étaient des grands pécheurs. Alléluia. Et Dieu dit, par des vers, moi-même, j'ai résolu de détruire ce peuple. Abraham sait que son neveu est là parmi les habitants de Sodome et de Gomorrhe. Il réalise le danger. Quand Dieu veut détruire, frères et sœurs, il va réduire tout en cendres. Vous savez, Sodome et Gomorrhe, ça a été une pluie de feu et de soufre. Je vous ai toujours expliqué ça sur les cycles chimiques. Quand le soufre, d'ailleurs vous allez dans ces régions, on prend le soufre dans les montagnes. Quand le soufre se combine à l'oxygène à température élevée, il produit les gaz toxiques de dioxyde de soufre. C'est l'odeur des œufs les plus pourris. Et quand ce gaz monte, il entre en combinaison avec l'humidité, c'est-à-dire l'eau de l'atmosphère, il tombe, ça devient de l'acide sulfuré. Donc ça détruit tout. Abraham réalise les dangers qu'il y a. Il dit non, Seigneur. Non, je t'en prie. Il ne faut pas que tu détruises Sodome et Gomorrhe. Il va devant Dieu. Alléluia. Et il dit à Dieu, Seigneur, feras-tu périr les justes et les méchants? Ce n'est pas dans tes habitudes de faire périr les justes et les méchants. Non, Seigneur. Dieu lui dit non, effectivement. Quand il y a du jus dans la grappe, je ne détruis pas. Abraham lui dit, Seigneur, mais s'il y a 50 qui sont justes, Dieu lui dit, s'il y en a 50, je ne vais pas détruire Sodome et Gomorrhe. Et là, Abraham comprend les langages de Dieu, parce que Dieu dit, s'il y a 50, je ne détruirai pas. Abraham dit, Il dit, non, Seigneur, j'ai parlé trop vite.
peut-être qu'il va manquer sur les 55. S'il y a 45, est-ce que tu vas détruire Sodome et Gomorre? Dieu lui dit, s'il y a 45, je ne vais pas détruire Sodome et Gomorre. Nous sommes dans Genèse au chapitre 18. Vous pouvez lire le texte à partir du verset 20. Abraham, il dit, non. Seigneur, s'il te plaît, s'il y a 40. Au début, Abraham enlevait par tranche de 5. 50, 45, 40. Alléluia. Dieu lui dit, il n'y a pas 40. Abraham comprend, il dit, mais pourquoi je vais par tranche de 5? Augmentons. De 40, il dit, mais Seigneur, s'il y a 30. Dieu lui dit, il n'y a pas 30. Alléluia. Il n'y a pas 30 juste. Abraham continue. Il dit, bon, comme je continue, 10. Et s'il y a 20? Dieu lui dit, il n'y a pas 20. Il dit, et s'il y a 10? Dieu lui dit, je ne détruirai pas ces villes à cause de 10. Vous allez comprendre. Abraham aurait pu dire, et s'il n'y a personne de juste? Parce qu'il allait par tranche de 10, il s'est dit, il s'est limité à 10, il n'y avait pas 10 juste. Dans toutes ces deux grandes villes de Sodome et Gomorrhe. Alors, qu'est-ce que Dieu lui dit? Va maintenant prendre ton neveu. Fais-le sortir. Alléluia! Alléluia! Les gens ne se sont jamais posé la question. Pourquoi Lot a pu être sauvé? Ce n'était pas simplement parce qu'il appartenait à Abraham. Les neveux d'Abraham, non. La Bible dit qu'il tourmentait son âme en vivant parmi ses habitants, la pécheur. C'est-à-dire, il s'efforçait de garder sa communion avec Dieu. Rester fidèle avec Dieu. Il voyait des choses terribles. Mais il s'est dit non. Et son âme était tourmentée. Alors Dieu lui dit maintenant à Abraham, va le prendre. Alléluia. Et quand vous allez quitter Sodome et Gomorre, ne regardez pas en arrière. Donnez-moi un peu de temps aujourd'hui. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs, au niveau d'une nation, Dieu veut que tu sois le jus de ta nation. Dieu veut que tu sois le jus de ton église. De ton église. Et pas un jus toxique. Vous savez, il y a de ces fruits dont on peut extraire un jus, mais qui est toxique. Un jus toxique n'est pas une bénédiction. Il faut que ça soit un jus qui soit une bénédiction. Soit le jus de ton église, soit le jus de ta famille, soit le jus de ton entreprise. Quand tu deviens ministre de la République, soit le jus de ton ministère. Non, vous n'avez pas dit amen. On va vous nommer des ministres demain. Vous allez continuer à marcher dans la corruption. On peut corrompre tout le monde. Nos pays ne se développent pas à cause de ça. Il n'y a plus de jus. Quelqu'un qui puisse dire, du sommet de l'État, dans les ministères, les départements, l'Assemblée, quelqu'un qui s'élève et qui dise, non, nous sommes ici pour les intérêts du pays. Nous sommes ici pour les intérêts du peuple. Nous ne pouvons pas continuer à agir ainsi parce que nous n'allons pas avancer. C'est des hommes et des femmes de cette trempe que l'on peut appeler le jus de la nation. Vous voyez, vous avez peur même de dire amen. Vous avez peur de dire amen. Non, vous n'avez pas dit amen. Ce sont les mêmes. Les gens ont dit la diaspora. On va aller en Afrique. Mais c'est la diaspora qui est parfois pourrie. Parce que chacun... Non, mes frères et sœurs, ce n'est pas possible. Des gens qui ont vu les aéroports des grands pays dans lesquels ils ont voyagé. Et chez toi, dans ton propre pays, tu bâtis un petit hangar. Il y a un problème. Tu n'es pas le jus de la nation. Dites un beau amen. Dites un beau amen. Nous avons besoin des gens qui, lorsqu'on vote un budget pour leur département, hello, ils utilisent l'argent qui a été alloué pour construire les écoles, pour bâtir les routes, pour bâtir les hôpitaux, pour développer l'enseignement avec cet argent. Alléluia! Pour donner du travail au peuple. C'est ça le jus de la grappe.
Diaspora. Quelle diaspora? Des gens, quand, vous savez, dans certains pays, on peut voir ton curriculum. Tu n'as rien fait de bien dans ta vie. Pourquoi on te nommerait ministre? Parce que si on te met là-bas, tu vas voler. La première chose, tu vas commencer à t'acheter des véhicules parce que tu n'avais jamais eu de véhicules, même des petits véhicules, des jouets. Tu n'as jamais eu ça dans ton enfance. Dites un bon amen. Alors quand il devient ministre, il a 15 voitures. Pour lui, il récupère les temps perdus. Il n'avait jamais eu même un petit jouet quand il avait 2, 3, 4 ans. Chacune de ces voitures-là devient un jouet. Et ça, c'est le jus de la nation? Non. Frères et sœurs, et tous nos ministres ont des pasteurs. Et les pasteurs qui les flattent. Hello? Parfois, le ministre, quand il n'est pas encore à l'église, les cultes ne commencent pas. Tu arrives en retard, il n'y a plus de place, tu te mets au fond. C'est la maison de Dieu. Ce n'est pas ton ministère ici. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis? Et tout ça, pourquoi? Parce que même nous, les hommes de Dieu, nous sommes là en train de courir après. On va me donner de l'argent pour acheter les bâtiments. Si Dieu veut me bénir, il se passera du ministre. Si Dieu veut me bénir, il enverra la bénédiction même de très loin. Écoutez ce qu'il est dit. Ah, j'aime. Abraham a été... Non. Il dit, Seigneur, s'il y a 10 justes, il dit, il n'y en a pas. S'il y en avait, j'agirais autrement. Dans 2 Rois, au chapitre 19, le verset 34, la Bible dit ceci. J'aime beaucoup ce texte. 2 Rois, chapitre 19, verset 34. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Et dit, je vais sauver la ville. C'est Dieu qui parle. Je vais sauver la ville à cause de moi-même. Et à cause de qui? De quelqu'un qui est dans cette vie. C'est-à-dire David. Est-ce que Dieu peut dire de toi, je sauverai cette église à cause de moi et à cause de toi qui es là? Parce qu'il y a du jus, parce qu'il y a une bénédiction là-bas. À cause de toi, Dieu veut protéger la ville. Dieu veut bénir la ville. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! Alléluia! Oh, merci Seigneur, qu'il y ait de jus au milieu de nous. Alléluia! Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux! Dans le psaume 106, verset 23, il est dit, « Il parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, s'étend à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. » Ça, c'est le jus. Quand ils ont fait les veaux d'or, c'est une abomination. Dieu dit, « Je vais les détruire. » Moïse vient. Vous savez, un intercesseur, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas des gens que tu vois, il vient aujourd'hui, 6 mois, il ne vient pas. Ce n'est pas des gens que tu ne vois pas venir à l'église régulièrement. Non, quand quelqu'un est comme ça, chassez-le de l'intercession. Parce que quel jus, il a quel jus? David vient, qu'est-ce que je dis? Moïse se tient devant Dieu. Il dit, Seigneur, si tu veux détruire ce peuple, détruis-moi d'abord. Mais comme il y a du jus dans cet individu, comme il est le jus de la grappe, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dieu est bloqué parce que Moïse lui dit, si tu veux détruire ce peuple au-devant duquel tu m'as établi, détruis-moi d'abord. Dieu le regarde, Moïse, il dit, mais il y a du jus, il y a la bénédiction dans cet homme. Oh non, Seigneur, et il pardonne. Ça, c'est être le jus de la nation. Être le jus de la nation. Alléluia. Je vais parler maintenant au niveau individuel pour aller plus rapidement. Soyons des jus dans nos nations. Oh, je vais être ministre. Ah, je vais aller faire devenir député. Pour voler, juste ça. Pour être comme les autres.
pour se couler dans le moule des voleurs. Oh, peut-être qu'il y en a qui ne volent pas. Il doit y en avoir probablement. Alléluia. Alléluia. Qui sont persécutés, qui sont attaqués. Toutes ces choses-là. Frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. Nos pays d'Afrique ne se développeront pas parce que nous mettons constamment la faute sur les Français, les Occidentaux, les Américains. Mettons d'abord la faute sur nous-mêmes. Alléluia. Sur nous-mêmes. Devenons de jus. Quand on te dit tu es professeur, tu enseignes des choses de qualité. Tu as pris le temps de préparer la matière. Alléluia. Quand on te met quelque part pour servir, bourgmestre, la première des choses, c'est développer ton quartier. J'ai connu un ami quand il avait été nommé commissaire des zones à l'époque. La première des choses, il a envoyé d'autres, certains de ses amis. Il dit, allez chercher tous les endroits et des espaces non encore habités. Ah, Seigneur. Hello. Vous savez que parfois, les païens font mieux que nous. Font mieux que nous. C'est qu'il y a une honte. Soyons les jus pour nos nations. À titre individuel. J'ai dit que la grappe peut aussi être un individu, c'est-à-dire sa vie. Pose-toi la question, y a-t-il du jus dans ta vie? Es-tu une bénédiction pour les autres? Une bénédiction pour les autres. Écoutez, lorsque Dieu a appelé Abraham, et que Dieu l'a béni, et que Dieu a déclaré la bénédiction sur lui, là nous sommes dans Genèse au chapitre 28, je voudrais qu'on lise un texte. Voici ce que Dieu a dit à Abraham. Il lui a dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes, écoutez bien, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Et en ta postérité, en toi. Il s'agit là d'une personne, une vie qui devient source de bénédiction pour les autres. Tu dois, je dois, nous devons être le jus de la grappe, c'est-à-dire des sujets de bénédiction pour les autres. Pas des sujets, pas des sources de problèmes, pas des sources de conflits, pas des sources de médisances, pas des sources d'attaques, des conflits, des songi-songi, non! Des sources de bénédiction. Cette semaine, regarde quelqu'un qui te peut faire une bénédiction. Et tu peux bénir. Alléluia. En disant non. Je dois être une source de bénédiction pour quelqu'un. Abraham est le jus de toutes les nations, les familles de la terre. Il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et la postérité d'Abraham, c'est chacun de nous ici. Nous le sommes par la foi en Jésus-Christ, selon qu'il est écrit. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Pourquoi, mon frère, ma sœur, es-tu source de problèmes pour les autres? Source de querelles pour les autres. Quand tu es quelque part, c'est le bordel, c'est le trouble, c'est l'émeute. Et ça, c'est une vie, c'est du jus. La bénédiction n'a été réservée qu'au jus. Vous allez le voir. Quand tu es dans un groupe, il n'y a que des problèmes à cause de toi. Il y a un problème. Je parle à quelqu'un. La Bible dit, la postérité d'Abraham doit être une source de bénédiction comme leur père Abraham l'a été pour toutes les nations de la terre. Mais toi, simplement, dans un petit noyau comme ton église ici, tu es un ingénieur des problèmes, un savant des conflits. Tu inventes des choses. Mon frère, ma soeur, tu auras beau lever les mains,
crier vers le Seigneur, ta prière est une abomination. Laissez-moi nous le dire. Vous ne dites plus Amen, mais je dirai la vérité de l'Évangile. Alléluia. Acte 3, il est dit, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Vous êtes les fils des prophètes, vous êtes les fils de l'alliance. C'est-à-dire des hommes et des femmes que Dieu a établis pour être une source de bénédiction pour les autres. Amen. Nous sommes appelés à être ainsi des jus, des bénédictions, les uns pour les autres d'abord, ensuite pour plusieurs. La Bible dit, faites du bien à tous, mais particulièrement à ceux de vos frères qui partagent la même foi avec vous. Vous allez voir, c'est l'inverse qui se passe. Les chrétiens peuvent faire du bien à tout le monde à l'extérieur. Quand ils viennent à l'église, leur propre frère en la foi devient son ennemi. C'est lui qu'il va calomnier, critiquer 24 heures sur 24. C'est celui qui vient, qui lève les mains avec lui, qui prie avec lui, qui chante, qui glorifie Dieu avec lui. Mais quand il est à l'extérieur, il peut dépenser comme ça de l'argent. C'est ma tournée, buvez. Et tout le monde. Mais quand il vient à l'église, il regarde sa soeur même dans le besoin. Il dit qu'il crève. Il aimerait même que son pasteur soit misérable, miséreux, malheureux, malheurable. Ces mots n'existent pas, mais permettez-moi de le citer quand même. Comment voulez-vous, frères et sœurs, que la bénédiction du Dieu qui voit tout nous soit accordée? Postérité d'Abraham, c'est-à-dire source de bénédiction, mais tu es source de malédiction, source de conflits. Songi, songi, bobeleyo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jus de la grappe. Écoutez-moi bien. Lorsqu'on est le jus de la grappe. Ah, j'aime ça. En lisant Ésaïe 65, le jus de la grappe, ceux qui sont le jus de la grappe, Dieu les appelle aussi ses serviteurs. Dieu les appelle aussi ses élus. Dieu les appelle aussi ses héritiers. Lisez Ésaïe 65. Et vous allez voir, il y a des bénédictions qui se rattachent à ceux que Dieu appelle serviteurs, qu'il appelle ses élus, qu'il appelle ses héritiers. Si j'avais le temps, vous me permettrez peut-être de revenir une fois là-dessus. Mais je vous donne, quand ses serviteurs, il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Quel est l'héritage des serviteurs? Héritier, il dit, vous êtes héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit à ses élus, il dira, voici le royaume. Mes frères et sœurs, lorsque nous demeurons fidèles à Dieu, même quand nous sommes en exil, même quand nous sommes en ce monde, même quand nous sommes dans n'importe quel milieu, qu'il y ait du jus en nous, Dieu trouve du jus en nous, nous serons appelés des serviteurs, nous serons appelés les élus de Dieu, nous serons appelés les héritiers de Dieu. Et en tant que serviteurs, même les armes forgées contre nous n'auront point d'effet. Et en tant qu'héritier, toute la richesse de mon Père, le Créateur du ciel et de la terre, il me le donnera selon les besoins qui correspondent à mes attentes. Et en tant qu'élu, je sais qu'un jour, il me dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, de ton Dieu, car tu es l'élu de Dieu. Je parle à quelqu'un. Et voici les doubles avantages. Et je termine par là. Le double avantage d'être le jus de la grappe, c'est que non seulement à cause de toi, le jus, Dieu va protéger toute une nation, toute une église, tout un peuple, toute une famille. Écoutez bien, certaines attaques que nous subissons, ce n'est pas parce que nous avons péché, parce que nous sommes les jus de la famille. Hello, le diable connaît ce principe-là. S'il élimine les jus, il n'y a plus de protection. Certaines attaques que tu subis là. Mais tout ce que Dieu te dit, tiens ferme. Parce que toute arme est forgée contre toi sera sans effet. Le diable va te cribler comme le froment. Il y a quelqu'un qui intercède en faveur de toi au ciel. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et son intercession est toujours exaucée.
personne ne te touchera. Alléluia. Le premier avantage, c'est celui-là. Mais le deuxième avantage, c'est que les gens vont dire, oh, j'ai les Juifs dans ma famille, merci Seigneur, à cause de mon frère Isaac, nous sommes protégés. Dieu dit, je ne détruis pas la nation. Je vous épargne la vie, vous là, que j'aurais pu détruire, mais que je ne détruis pas à cause du jus qui est dans la grappe. Mais voici ce que Dieu va faire. Alléluia. Ésaïe 65, notre texte de base. À partir du verset 13. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, mes serviteurs mangeront. Hello? Et vous, vous aurez faim. Vous voyez, le premier avantage, c'est que Dieu épargne tout le monde à cause du jus. Mais maintenant, Dieu, il dit non. C'est trop facile. Ça ne peut pas s'arrêter là. Maintenant, il vient dans la nation. Il dit, mes serviteurs, mes élus, mes héritiers, ceux que j'appelle les Juifs, ils mangeront. Mais vous, vous aurez... Je parle à quelqu'un. Il dit, mes serviteurs boiront. Mais vous, vous aurez... Mes serviteurs se réjouiront. Mais vous, vous serez... confondu. Mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur, l'Éternel, vous fera mourir et il donnera à ses serviteurs un autre nom, un autre nom. Alléluia. Écoutez le double avantage du jus. C'est que simplement un, il peut protéger la nation, oui, mais de deux, il va vivre la différence entre lui et ceux qu'il aura protégés. Entre lui, il mangera, mais ceux-là ne mangeront pas. Lui, il boira, mais ceux-là mourront de soif. Lui, il se réjouira, mais ceux-là continueront à se lamenter. N'est-ce pas, frères et sœurs, qu'il est impérieux pour toi et moi de devenir le jus de la nation, d'être un homme, une femme dont Dieu peut dire, c'est le jus, il y a là une bénédiction. Je prie ce matin que tu sois le jus de cette église. Je prie ce matin que tu sois le jus de ta famille. Je prie ce matin que tu sois le jus de ta nation. Et je prie que Dieu aille plus loin avec toi. Qu'il te fasse vivre la différence. Qu'il te fasse vivre la différence. Même en exil, toi tu mangeras, mais les autres mourront de faim. Même en exil, toi tu boiras, mais les autres mourront de soif. Même en exil, Dieu te visitera, tu te réjouiras. Mais eux seront dans leur champ de lamentation. Même en exil, il y aura la différence. Je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Il y aura toujours cette différence entre ceux qui sont fidèles et ceux qui ne le sont pas. Il y aura toujours cette différence, et je parle à quelqu'un, de ceux qui cherchent Dieu, même dans les conditions les plus difficiles, même en exil, même dans la souffrance, même dans les épreuves. Le temps viendra où l'on verra le niveau d'élévation. On verra le niveau d'élévation. On verra le niveau d'élévation. Les gens pourront dire, on avait entendu parler, mais maintenant nous voyons ce que Dieu peut faire, ce que Dieu a fait dans ta vie, parce que tu es le jus de la grappe, parce que tu es le serviteur de Dieu, parce que tu es l'élu de Dieu, parce que tu es l'héritier de Dieu. Je t'en prie, ton Dieu est grand, ton Dieu est puissant, il t'élèvera, il t'élèvera, il t'élèvera, il te bénira, il te donnera un autre nom. Il te donnera un autre statut. Il te donnera une nouvelle richesse. Il te donnera une nouvelle élévation. Il te donnera ce qui réjouira ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Le jus de la grappe. Double avantage. Sois le jus de la grappe. Deviens le jus de la grappe. Sois une bénédiction.
pour ton église, pour ta famille, pour ta nation. Sois une bénédiction pour ta nation. Sois une bénédiction pour tes frères et sœurs. Ils ne sont pas tes ennemis. Sois une bénédiction pour ton pasteur. Sois une bénédiction pour ta famille. Sois le jus de la grappe. Parce que si tu es le jus de la grappe, à cause de toi, on dira ne détruis pas. Et Dieu te fera vivre la différence. Et Dieu te donnera un autre nom. Un autre nom. Un autre nom. Il donnera à ses serviteurs un autre nom. Il donnera à ses élus un autre nom. Il donnera à ses héritiers un autre nom. Un autre statut. Un autre état. Une autre situation. Il ne sera plus celle où il ne mangeait pas, où il ne buvait pas, où il ne se réjouissait pas. Il y aura quelque chose d'autre dans ta vie. Quelque chose d'autre dans ta vie. Quelque chose de merveilleux dans ta vie. Sois le jus. Sois le jus. Sois le jus de la grappe. Sois le jus de la grappe. Est-ce que ce matin, quelqu'un ne voudrait-il pas se lever et dire, Seigneur, fais de moi le jus de la grappe. S'il faut que tu me brises pour me reconstruire, en sorte que je devienne le jus de la grappe. Seigneur, fais, lève-toi simplement. Vous savez, c'est ma prière pour moi-même. Je dis, Seigneur, fais de moi les jus. Fais de moi les jus de l'Église, de la famille. Le jus, jus. Fais de moi le jus de la grappe. Est-ce que quelqu'un ne voudrait-il pas se lever? Il dit, Seigneur, fais de moi les jus de la grappe. Peu importe là où je pourrais me trouver, Seigneur, que tu me trouves fidèle. Seigneur, que tu me trouves t'adorant toi et non pas en train d'imiter le monde, les pratiques de ce monde. Non, Seigneur, fais de moi les jus de la grappe. Là où tu es, élève tes mains, commence à prier. Fais cette courte prière pour toi-même. Fais cette prière du fond de ton cœur. Du fond de ton cœur, pas juste par formalité, mais parce que ce matin tu réalises que Dieu t'a parlé, que Dieu veut que tu deviennes le jus de la grappe, jus de la grappe, parce que tu veux vivre la différence, parce que tu veux porter le nom des serviteurs, le nom des élus, le nom des héritiers. Oh, 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 dis à Dieu, fais de moi le jus de la grappe, le jus de la grappe, le jus. Et l'on dise, il y a là une bénédiction, il y a là une bénédiction, il y a là une bénédiction, ne détruis pas, ne détruis pas, ne détruis pas, il y a une bénédiction, il y a une bénédiction, il y a une bénédiction. Frère, dans cette église, fais de moi dans cette église, fais de chacun de nous une source de bénédiction. Nous sommes de la postérité d'Abraham, appelés pour bénir les autres, appelés pour bénir, être une source de bénédiction, une source de bénédiction, pas une source de problèmes, pas une source de conflits, pas, non, 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 une source de bénédiction. Que l'on dise, il y a là, en cet homme, en cette femme, il y a le jus, il y a le jus, il y a le jus dans la grappe, il y a le jus, il y a le jus, ne détruis pas, ne détruis pas, ne détruis pas. Et Seigneur, pour que tu nous fasses vivre la différence, la différence, la différence, il y a le jus. Éternel notre Père, notre Dieu, ta parole est la vérité. Nous l'avons entendue ce matin. Je prie que chacun de nous qui sommes debout devant toi, Éternel, par la puissance de ton esprit, tu fasses de nous, de chacun de nous, les jus de la grappe. Que ce soit pour la société, la famille, ou pour nos propres vies, Seigneur, notre Dieu. Que nous soyons, chacun en ce qui le concerne,
un canal de bénédiction, une source de bénédiction, parce que nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous ne voulons pas t'abandonner, toi le vrai Dieu, parce que la vraie bénédiction, c'est celle qui vient de toi. Nous ne voulons pas aller après des choses, des néons, pour être des néons nous-mêmes. Seigneur, nous voulons rester attachés à toi, fidèles à toi, parce que lorsque tu te lèveras, tu nous donneras un autre nom. Lorsque tu te lèveras, tu nous donneras un autre statut. Lorsque les temps seront accomplis, tu nous donneras, éternel notre Dieu, une nouvelle élévation. Une nouvelle élévation, un nouveau positionnement pour la gloire de ton nom. Oui, nous chanterons pendant que d'autres se lamenteront. Nous boirons pendant que d'autres mourront de soif. Nous nous égayerons des délicats, des mets délicats, pendant que d'autres mourront de faim. Seigneur, notre Dieu, alléluia, donne-nous de tenir ferme. Donne-nous de ne pas nous couler dans le moule de ce monde, de ne pas nous modeler dans les habitudes païennes de ce monde. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, rester fidèles à toi. Et marcher, Seigneur, selon les termes de la parole que tu nous donnes. Ta parole est la vérité. Tu as parlé au cœur de quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un qui peut élever sa voix maintenant pour faire écho à cette parole, même deux personnes, dans une prière. Dans une prière, fais écho. Élève simplement ta voix. Et prie le Seigneur pour nous tous. Élève ta voix, élève ta voix. Tu es dans la maison de ton Père. Tu parles à ton Dieu. Tu n'as pas de retenue. Tu lui parles en tes termes. Tu lui parles comme il t'a parlé. Ce que tu ressens du fond de ton cœur. C'est ce que tu exprimes devant ton Dieu. Alors pourquoi tu hésiterais? Élève ta voix. Bénis le peuple de Dieu par ta prière. Élève encore ta voix. Quelqu'un d'autre. Ça doit être spontané, mon frère, ma soeur, dans la maison de Dieu. Élève ta voix spontanément.
Père de gloire et de grâce, nous laissons ta parole continuer à parler à nos cœurs. Grave-la dans nos cœurs, Seigneur. Saint-Esprit, entame ce processus de transformation qui va faire que nous devenions les jus de la grappe. Saint-Esprit, agis en nous pour que nous soyons chacun en ce qui le concerne, étant de la postérité d'Abraham, une source de bénédiction pour les autres. Que mon frère soit une source de bénédiction pour mon frère et ma sœur. Que je le sois pour chacun d'eux également. Seigneur notre Dieu, qu'à cause de chacun d'eux, étant le jus de la grappe, que des vies soient épargnées. Que ces vies soient un jour emmenées à te connaître, toi, le véritable Dieu. Voulant que même ceux qui seront épargnés, qui auront pratiqué toutes ces abominations, reviennent à toi, le Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Prions notre Dieu, que tu donnes à chacun de nous un autre nom, un nouveau nom. Celui que l'on appelait le malheureux, qu'il soit appelé le bienheureux. Celui que l'on a appelé la stérile, on l'appellera la maman d'une foule nombreuse. Ça, c'est un autre nom, un nouveau nom. Un nouveau nom. Celui que l'on a pointé du doigt en disant le célibataire, le voilà marié. Le chômeur, le voilà avec un CDI en main. Seigneur, tu donnes un nouveau nom. Celui que l'on a considéré comme fini, écrasé, enterré, terminé, le voilà qui rebondit et qui est élevé jusque dans les hauteurs. Oui, Seigneur, ça c'est un nouveau nom. Ta parole dans nos cœurs est la vérité. Bénis ton peuple, nous te prions au nom de Jésus et nous disons amen. Alléluia. Dites un bon amen à la parole, pas à moi. Voilà, c'est pas à moi que vous dites, c'est à la parole. Moi quand je dis alléluia, c'est par rapport à ce que la parole nous dit. Je vais encore le redire, alléluia. Oh Dieu est bon, n'est-ce pas? Ne fût-ce qu'à cause du fait qu'il va te donner un nouveau. Et il n'y a pas que nom, ajoutez tout ce que tu veux là-bas. Statut, position, situation. Il est merveilleux notre Dieu. N'est-il pas digne de recevoir de nos mains une offrande de reconnaissance? L'offrande est un acte volontaire, mais qui est aussi une source de bénédiction pour nous-mêmes. Hello! C'est aussi une source de bénédiction pour nous-mêmes. Les gens sont là. Oh, période de Covid, il y a ci, il y a ça. Si l'Éternel ne te garde, tu auras beau épargner, cacher ta dîme, ton offrande, ça va te frapper comme pas possible. Alléluia. Frères et sœurs, vous savez, nous avons l'impression que c'est nous-mêmes qui devons nous protéger. Quand tu viens dans la maison de Dieu, apporte une bonne offrande, donne. Vous voyez, dans la Bible, on dit, Seigneur, souviens-toi de leurs offrandes et exauce-les. De leurs offrandes. Parce qu'ils ont fait un acte de reconnaissance. Quand on nous dit d'apporter l'offrande, quelqu'un se dit, je vais enrichir un tel. Frères et sœurs, dans cette église, pense que tu veux, j'emmènerai toujours le peuple de Dieu à un niveau qui dépasse la mesquinerie. Qui dépasse les petites choses, les petits raisonnements mesquins. Alléluia! Alléluia! Hier, j'étais dans une église pour aller consacrer un groupe de pasteurs. Et quand j'ai apporté la parole, le pasteur a pris le micro, il a dit à l'église, toute l'église, je suis allé, lundi, je prends mon vol, je vais en Afrique. Il va aller consacrer 12 pasteurs. Pasteur, je te dis, il s'adresse à moi, je vais prêcher ton message, je l'ai enregistré, copie-coller. Il m'a dit ça. Il dit copie-coller.
dit, je ne retranche rien, je n'ajoute rien. J'ai tellement été béni. J'étais en train de me dire quel message je vais apporter pour la consécration. Et là, le Seigneur me répond. J'ai dit, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu nous fait grâce. C'est de Dieu que nous avons toutes choses. Il y a le panier de dîmes, il y a le panier des offrandes. Si tu veux faire une action de grâce, il y a ce panier. Mais c'est en toute liberté. Nous le faisons. Égard à tous les bienfaits de Dieu, mais aussi parce que je sais que Dieu se souviendra, exaucera mes prières aussi. Il se souviendra de mes offrandes. Souviens-toi de leurs offrandes et exauce leurs prières, décrit la parole de Dieu dans le livre des Psaumes. Qui sont ceux qui sont venus ce matin avec leur dîme? Si vous avez apporté, vous êtes venu avec la dîme dans la maison de Dieu. Sinon, je crois qu'il y a un numéro que vous pouvez toujours, toujours, frères et sœurs, toujours prendre. Prenez une offrande, prenez une enveloppe. Nous allons prier s'il n'y a personne qui est venu, qui a apporté sa dîme dans la maison du Seigneur. Lèvons-nous tous, s'il vous plaît. Lèvons-nous et prenons notre offrande en main. Éternel, notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu à qui appartiennent les cieux et la terre et tout ce qu'ils renferment. Tu fais grâce à qui tu veux. Fais grâce, miséricorde, à qui tu veux faire miséricorde. Je te prie pour ma sœur qui est là, Seigneur, avec sa dîme. Agrée-la, reçois-la de ses mains, Seigneur Dieu. Fais-lui vivre la différence selon que tu as dit. Pour vous, je menacerai celui qui va, qui dévore. Bénis-la abondamment. Et bénis tous ceux, Seigneur, qui sont venus également avec leur action de grâce ou leur offrande. Agrée-les pour ta seule gloire. Nous te prions ainsi au nom de Jésus et nous disons Amen. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Nous allons nous lever et avec l'équipe de louanges, nous allons chanter et célébrer Dieu. Loue Dieu. Mon frère, loue Dieu. Alléluia. Amen. Si tu ne loues pas Dieu, tu vas encore louer qui?
Jésus. Alléluia, 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 na Jésus. Alléluia, 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 na Jésus. Otoko yemba, toko bina, toko kumi, samo kosi. Alléluia, 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 na Jésus. Alléluia. Ta grâce m'a libéré.